السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو معاكم كتاب الفرنسية ميز أبخونتيساج أون فرونسي دو سانكيام أني دو لونسينيومون بريمار. لا باج 7 يونيتي 1 كوميونيكاسيون إي أكت دو لونغاج. Se présenter, parler de son école. Exercice 1. J'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Je vois sur l'image des élèves portant leur cartable devant l'entrée de l'école. Il y a un monsieur, une dame et trois enfants. Et un drapeau. Deuxième question. Où se trouvent les personnages? Les personnages se trouvent à l'entrée de l'école. Troisième question. Qui peuvent être le monsieur et la dame? Le monsieur et la dame peuvent être des parents ou des enseignants. Quatrième question. Comment cela se passe-t-il? Cela se passe à la rentrée scolaire. Cinquième question. Est-ce que tous les élèves se connaissent? Non, les élèves ne se connaissent pas tous. Sixième question. Que peuvent-ils se dire? Ils peuvent se présenter et présenter. Exercice 2. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. Bonjour, je suis votre professeur de français. Je m'appelle Farid. Et vous? Je m'appelle Ali. Je vous présente Nabil. Je suis Leïla. Mon ami est Fatiha. Question 7. Que fait le professeur? Le professeur se présente. Question 8. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Farid. Question 9. Que fait chaque personnage? Chaque personnage se présente. Question 10. Que disent-ils pour se présenter? Je m'appelle Ali. Je m'appelle Farid. Qui présente Nabil? Son ami lui présente. Son ami Ali. Page 8. Lecture. Qu'est-ce qu'un texte? Au départ d'une course, aux premières heures de l'athlétisme, les coureurs creusaient des petits trous dans le sol afin d'y enfoncer leurs pieds avant le départ. Aujourd'hui, les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol afin de ne pas endommager la piste. Lorsque le starter dit « À vos marques !» Les mains sont placées derrière la ligne de départ. Le pouce et les autres doigts forment un pont. La pomme ne doit pas toucher le sol. Prêt ? Le coureur se penche en avant, prêt à donner l'élan nécessaire au départ. Partez! Le coureur s'élance. La course est lancée. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Question 1. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, au départ d'une course.
Deuxième question. Observe l'image. De qui s'agit-il? Où se trouve-t-il? Il s'agit d'un coureur à la ligne de départ. Troisième question. Que va faire le garçon en maillot jaune? Le garçon va partir, va faire la course. Exercice 2. Je lis et je comprends. De quel sport s'agit-il? Il s'agit de l'athlétisme. Cinquième question. Où se placent les coureurs? Les coureurs se placent derrière la ligne de départ. Sixième question. Qui donne le signal de départ? Le starter qui donne le signal de départ. Exercice 3. Je lis et j'écris. Numéro 7. Réponds aux questions. Écris les trois expressions qui servent à donner le départ. Les trois questions qui servent à donner le départ. 1. À vos marques. 2. Prêt. 3. Partez. De combien de phrases est composé cet écrit? Il est composé de 3 phrases. Si tu changes l'ordre des 3 dernières phrases, est-ce que tu comprendrais la même chose? Non, je ne comprendrai pas la même chose. Souligne ce qui est vrai. Un texte est une liste de mots. Un texte est un ensemble de phrases qui a un sens. La deuxième phrase est vraie. Page 9. Lexique. Autour de la vie scolaire. J'observe et je découvre. Mon école comprend une vingtaine de salles de classe où les professeurs accueillent leurs élèves. Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. De l'autre côté de la cour de récréation, on voit une grande salle de sport. Plus loin apparaissent les portes du bloc sanitaire. Le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. Je manipule et je réfléchis. Question 1. Où se trouve le bureau du directeur? Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. Deuxième question. Où les professeurs accueillent-ils leurs élèves? Les professeurs accueillent leurs élèves aux salles de classe. Troisième question. Qui s'occupe de la propreté? Le gardien et la femme de ménage. Je m'entraîne. Exercice 4. Relis chaque mot à sa définition. Bibliothèque. Lieu où est conservée une collection de livres. Bloc sanitaire. Ensemble de WC et de lavabos. Salle de classe. Endroit où on dispense l'enseignement. Salle de sport. Endroit où on pratique un sport. Exercice 5. Barre l'intrus. A. École, pharmacie, cours de récréation, salle de classe. Anna, école, ou cours de récréation, salle de classe, même domaine. Et dans les rajamins, il y a école, pharmacie. Et dans l'intrus, Anna, roi, pharmacie. Anna, B. Directeur, élève, gardien, usine, professeur. Les mannes, domaine, Anna, usine, il n'y a pas de domaine. Il y a directeur, ou élève, ou gardien, ou professeur, tout le domaine de l'école. Je m'évalue. Exercice 6. Relie chaque personne à ce qu'elle fait d'habitude.
Directeur. Dirige l'école. Professeur. Éduque et instruit les élèves. Gardien. S'occupe de la surveillance de l'école. Secrétaire. Aide le directeur pendant les inscriptions d'élèves. Femme de ménage. S'occupe de la propreté de l'école.